Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la bioéthique, concernant la bioéthique, nous sommes dans la leçon numéro 27. On va utiliser les outils de l'onglet accueil qui se trouve dans l'access. Donc, c'est-à-dire pour filtrer, trier, donc faire la recherche, la mise en forme et le filtrage. Toujours l'animation, il est animé par Monsieur Bnei. Bon, on va lancer le Polycope ou la brochure Atelier Microsoft Access. Donc toujours on a déjà vu l'atelier 1, c'est la création de la base de données, les propriétés, l'atelier de la propriété. Troisième atelier, c'est les relations. Et nous sommes dans la quatrième atelier, c'est figer, filtrer, masquer, la mise en forme. Bon, donc c'est-à-dire l'exercice suivant, donc on va travailler avec le mode d'affichage. C'est-à-dire on va là, avant de faire ça, donc on va lancer la base de données, on va l'ouvrir. Donc toujours le dossier TP Access, on va ouvrir la base de données gestion stagiaire. Et c'est-à-dire on va travailler avec le mode d'affichage. Donc ça c'est concernant, on va travailler avec la table stagiaire. Donc on va l'ouvrir à la table stagiaire en mode double-clic, en mode d'affichage. Ça, c'est le mode d'affichage. Et je peux revenir en mode de création. Mais pour le moment, on va travailler avec le mode feuille de données ou le mode, ce qu'on appelle le mode d'affichage. Bon, la première question, on aimerait avoir les informations de la table stagiaire selon les cas suivants. C'est-à-dire on a besoin de trier la base de données ou la table stagiaire en ordre alphabétique de A à Z par nom. C'est-à-dire on va basculer vers la base de données, on a déjà ouvert la table stagiaire et on va cliquer sur n'importe quel élément de la du champ stagiaire et on va regarder ici croissant. On va cliquer sur croissant pour mettre donc la table en mode de croissant par nom. Bon, ça c'est la première question. Deuxième question, c'est-à-dire bon, la question B. On veut figer la colonne matricule à gauche dans la feuille. Donc figer, on peut faire ça dans l'Excel et même c'est dans l'Access. C'est quoi figer? Avant de répondre à la question, on va agrandir ça, c'est-à-dire le champ. Et regarde ici. Donc pour visualiser les éléments qui se trouvent à droite, on doit glisser la barre de défilement vers la gauche. On va basculer vers la gauche. Regarde ici. Lorsque je bascule vers la gauche, donc le matricule et le nom ils disparaissent. Donc parfois dans l'Excel ou dans n'importe quel, par exemple, on a un tableau plus grand. C'est-à-dire, et j'ai besoin de consulter des informations qui se trouvent dans quelques colonnes à droite. Bon, lorsque je bascule vers la droite, automatiquement, donc lorsque je trouve l'information, j'ai besoin de connaître l'information de quelle personne. Donc le nom il disparaît. Donc ça c'est le problème. Donc, comment on va résoudre ce problème-là? C'est-à-dire, c'est la réponse de la question. C'est-à-dire, on va figer, on va fixer quelques champs. Par exemple, on a besoin pour le moment, regardez ici, lorsque je bascule vers la droite, le champ matricule disparaît. Donc, on a besoin de fixer toujours, on a besoin d'afficher le matricule toujours. Donc, comment on va sélectionner le matricule et on a ici dans l'enregistrement, la zone d'enregistrement, plus, et on a ici figer les champs. Et regardez pour le moment lorsque je bascule vers la droite, donc le matricule toujours il est fixe. Bon, ça c'est la question B. Pour la question C, on veut chercher le stagiaire barré. Toujours on va basculer vers ce qu'on appelle la base de données. On va mettre le curseur dans n'importe quel emplacement, dans toujours l'accueil et chercher. Ici on va saisir barré. Et ici, regardez ici, lorsque je fais suivant, est-ce qu'il n'a pas trouvé? Donc, il n'a pas trouvé, par exemple, pour le moment barré. Mais il existe, oui, il est là. Mais pourquoi? On a sélectionné le nom, le prénom, et on a fait la recherche où? Dans le champ actuel. C'est-à-dire, il va me chercher le mot barré dans le champ prénom. Dans le champ prénom. C'est-à-dire. Donc, il n'a pas trouvé, c'est normal. Pour éviter ça, toujours, il faut faire quoi? Donc, on va basculer vers le document actif, c'est-à-dire on va chercher le mot barré dans tous les champs, sans exception. Et je clique sur suivant,
et regarder, il va me trouver donc barré dans le champ non externe. Ça, c'est la question C. On passe vers la question numéro 2. On vous demande de lui présenter à l'écran les enregistrements qui répondent à ces critères. Vous devez revenir à la liste complète pour chacune de ces demandes, utiliser le filtre par sélection pour obtenir les résultats. C'est-à-dire, pour le moment, on va utiliser le filtre par sélection. Et à chaque fois, on va revenir vers la liste complète pour, donc à la fin de chaque réponse. Pour le moment, la question, ils ont demandé d'afficher les stagiaires qui se trouvent en Casablanca, c'est-à-dire les stagiaires qui habitent à Casablanca. Comment? Donc, on va cliquer sur toujours la base de données, on va ouvrir la base de données et toujours la table stagiaire en mode d'affichage. Ça, c'est le mode d'affichage. Et on va sélectionner le mot Casablanca. Et on regarde ici dans la zone toujours l'accueil et trier et filtrer. Sélection. On va cliquer sur ça et on a ici égal à Casablanca. C'est-à-dire, il va m'afficher tous les stagiaires qui habitent à Casablanca. Et il me dit qu'on doit revenir à la liste complète à la fin de chaque. Donc pour le moment, on a besoin d'afficher, on a répondu à la question. On a besoin d'afficher la liste complète. Donc on va le désactiver. Regarde ici, il est activé, le filtrage. On va le désactiver. Automatiquement, lorsque je décoche, automatiquement il va m'afficher toutes les personnes, sans exception, sans critère. Donc ça c'est la question numéro 2A. La question numéro 3. On veut obtenir d'autres informations à l'écran. Utiliser le filtre par formulaire. C'est-à-dire ici, on a utilisé le filtre par sélection. Pour le moment, on va utiliser le filtre par formulaire pour obtenir le résultat suivant. Quelle est la question? La question A, quels sont les stagiaires dont leur nom commence par la lettre AB? C'est-à-dire, on a besoin d'afficher juste les personnes dont leur nom commence par AB. Donc, on va toujours ici regarder dans filtre, accueil, filtre. Donc, on a ici option avancée et filtre par formulaire. On va supprimer critère Casablanca et on a, c'est quoi la condition? C'est commence par A. On va dans le nom, on va mettre A, B, étoile. C'est-à-dire, on a déjà vu ça dans l'Excel. C'est-à-dire, la première lettre et deuxième lettre, c'est B et les autres lettres, je ne sais pas. Donc, étoile, c'est l'équivalence de plusieurs. Caractère. Et on va activer le filtre, c'est-à-dire on va appliquer le filtre, il va m'afficher seulement les stagiaires que leur nom commence par A à B. Donc on va le désactiver pour afficher la liste complète et on va revenir vers la question numéro C. La question numéro C, quels sont les stagiaires dont le numéro de la filière est supérieur à 4? Bon, ici, toujours option avancée. Et ici, on a besoin d'un filtre par formulaire. Et on va enlever, on va supprimer le critère qui se trouve dans le nom. C'est-à-dire, tout ça, il est vide. On va, dans le matricule, on va le mettre supérieur à 4. La condition, c'est supérieur à 4. Et on va appliquer le filtre. Il va me donner toutes les personnes dont leur matricule est supérieur à 4. Donc, ça, c'est la réponse. On va désactiver le filtre pour visualiser ou pour revenir à la liste complète. Bon, d'autres choses, donc c'est la mise en forme. Donc, c'est-à-dire on peut sélectionner la table, les enregistrements, les enregistrements ou quelques enregistrements. Par exemple, on a besoin de changer les informations ou la mise en forme du prénom. Donc, on peut le mettre en arrière, la taille par exemple 11. Et je peux le mettre en gras. Donc, ça c'est concernant tous les enregistrements. On peut le mettre avec la couleur rouge externe. C'est bon, on va annuler ces changements-là. Pardon. Bon, donc on a fait la mise en forme. Je peux changer la mise en forme. On va le mettre automatique. Arrière. Et la taille, par exemple, 11. Et on va l'enregistrer, les changements. On va fermer la table et on va fermer la base de données. Ça, c'est la dernière question. Fermer la table et enregistrer la mise en forme de la table. On va fermer le polycope. Bon, dans l'atelier numéro 27, on a vu les outils de l'accueil, etc. Donc, on a fini l'atelier 4. Toujours l'atelier 4, 1, 2, 3
et l'atelier 1, 2, 3 et 4, c'est concernant un seul objet. C'est l'objet fondamental, c'est l'objet table. Jusqu'à maintenant, on a déjà vu un seul objet dans l'access. On a déjà dit qu'on a 6 objets. Jusqu'à maintenant, dans l'atelier 1, 2, 3 et 4, on a traité un seul objet, c'est l'objet table. Bon, merci. Donc, l'objet, donc l'atelier suivant, c'est d'autres objets, c'est le deuxième objet, c'est les roquettes. Merci pour votre attention.